Top. Du coup, qu'est-ce que tu dirais sur ce que t'as apporté le personal branding dans sa globalité pour toi, à titre perso ou pro, les deux, enfin. En fait, je trouve que ce qui est super, c'est qu'on le fait à titre professionnel, mais qu'en fait, c'est extrêmement nourrissant à titre personnel parce que les deux vont de pair. On ne peut pas les séparer. Ils sont inséparables. Et comme tu le disais très bien, en fait, ça a affiné des choses, ça a permis de donner plus de poids à des choses que je mettais peut-être de côté, que je ne disais pas, que je ne montrais pas. En tout cas, moi, après, je pense que aussi pour chaque personne, ça peut être, j'imagine, un peu différent, parce que peut-être les demandes sont pas les mêmes, les parcours sont pas les mêmes, etc. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, ça m'a vraiment permis de, ben, encore une fois, de mettre en cohérence, en congruence, mon être et ce que je montre. Voilà, c'est vraiment ça. Et de faire ça, en plus de le faire en personal branding pour mon activité et de le faire aussi dans ma vie personnelle, dans mon nouveau mode de vie, etc. Voilà, j'ai l'impression que ça a amplifié, voilà, ça a démultiplié le truc. Donc, voilà, moi, ça m'a vraiment apporté ça. Ça m'a apporté un regard plus fin, en fait, sur moi, sur ma manière de travailler. Et aussi, ça donne plus d'assises, du coup. Même si j'avais confiance en moi, mais comment dire? C'est comme si les bases étaient beaucoup plus Ancré. ancrées. Ouais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'ancrage et des fondations solides. Ça, je le ressens vraiment. Je le ressens vraiment. Parce que ça devient clair, en fait. Je sais ce que je fais. C'est clair. Donc, voilà. Donc, ça donne une assise, en fait. Et puis on peut dire aussi que tu t'es délivré de justement cet aspect étiquette entre guillemets, de parler d'outils ou autre. Enfin, même dans ta façon Oui, d'accompagner, il y a vraiment quelque chose. Bien sûr, les outils sont là, mais ils sont à leur juste place en fait. Ils prennent pas, ils mordent pas là où il faudrait pas c'est ça. grignoter quoi dans son degré. Exactement. Exactement.